I introduce the panel here. And you know all from this little thing that we have Patrick Legales, bienvenue. We have Pierre Wels, everybody knows him. We have Willem Salette. We have Patrice. Oui, alors, pardon, excusez-moi. We have Frank Scherer from Montreal. I have been asked by the organizers to ask three questions to the panel in order to organize their responses at the end of this conference. And I understand that, well, at least in my country, after 2 days of very, very intensive discussions, and I learned a lot. For me, it was just a master degree in French planning these days. So everybody is a little bit tired, but I hope that my panel will help you to be awake. I have been asked to present you three questions, and I will briefly introduce into these three questions in order so that you know, and I think they are here in both languages. But before I do that, allow me two observations. One is, we are talking a lot, and during the last 2 days, about Europe. But we did not talk about Europe. We talked about Western Europe. The whole of Eastern Europe has been excluded from the discussion here. And I think we should be careful, because, as you may know, that the Chinese government has a big interest to have Europe divided in West and Eastern Europe. And Eastern Europe will, in the future, be a Chinese territory. This sounds very strange, but if you see the infrastructure policy the China government is pursuing at the moment, and the money they spend in Eastern Europe, and the difficulties we have in Western Europe to give some money to Eastern Europe, this creates new challenges for Europe. And I think if we talk about metropolitan city regions in the future, we have to think about Warsaw, we have to think about Budapest, we have to think about metropolitan cities in Eastern Europe, which will soon be linked by high-speed train from China to Europe. The Chinese government is working on the fast-speed trains from China to Europe. And you know that freight traffic is already taking place. A second observation, just after this last discussion here, is when we talk about the flexible metropolis. I think it found it interesting that planners have started to use a terminology which is totally positive. I remember 10 years ago, creative metropolis was the big issue. Today, nobody talks about the creative metropolis because the dream that the metropolis is creative is a little bit over. Now we talk about the flexible metropolis. And maybe we have another paradigm in 10 years. So we should be careful that all these paradigms, they have a positive and they have a very negative connotation. So when we talk about the future of the metropolis, so what should be done in the future, then we have, I think, three challenges. One is the challenge of populism, and how do we planners react to that? Sometimes I had the feeling that architects and urbanists, they said, we have to do more participation in the city. But as soon as the people started really to participate, we said, no, that is not the people we wanted to have. Yeah, they have different values. They vote for Le Pen, they vote for America First, and so on. So we academics, we talked about participation, but we did not really think about the values of the people living in the metropolis. So what can we do against America First, against Hungary First, against Lyon First? Or is Lyon First the future of the metropolis? Could be. Munich is Munich First, that's clear. Bavaria is second.
So what are the consequences of the challenges for the governments in these metropolitan regions? And I think, I don't know whether it was clear yesterday, you know, I'm always surprised when we, in Germany, when we talk about metropolitan city regions, we talk about paper tigers. There is no metropolitan governance in Germany. So the metropolitan governance is a marketing label for city regions to sell more regional products. But it is not governing the city development. And will the planners regret one day that we said more participation? Will we come back to say that's all, we need more professionals to say what we should do in the future? They would know. The people just want to have their own little environment improved. But what will be the future? Who is deciding about the future? And this is very different from country to country in Europe. We have to be very clear that the French vision is different from the German vision, and the German vision is different from the Polish vision. Now, the second question I wanted to ask is, the colleague from Brussels yesterday said the biggest challenge for Brussels is social disparities within the city regions, within the metropolitan cities. And I think that is true for all over Europe and even beyond. But planners talk a lot about that. Urbanists talk a lot about that. But have we really a say in what we are doing, what we can do in the future? Because most of the social disparities have to do with the job market. We are not involved in any decision making on the job market. Or they have to do with social insurance and social benefits, social welfare systems. The planners are not included in that. So what is the consequence for planning? Sometimes, if I had a bad sleep, I say the future of the planners is the decoration of the city. That's all. Yeah? So we have all kinds of public spaces and so on, but we have nothing to say because all the big decisions are either taken in Silicon Valley or are taken at some European level after long compromises, but we planners, we have just a little hope. And the third question I had is about, of course, the digitalization. It has been mentioned many times here during this conference, and planners, again, are fascinated by what you can do. So the convenience of citizens is, so to say, on the agenda. The darker side of this digitization is not really a discussion because we don't know what is the consequence. I mean, in mobility, we start thinking about changing mobility patterns in the inner city, but all the other things, medical treatment, education, all these other kinds of consequences of the digitalization have an impact on space, but not quite. I was looking at the bookshop yesterday and asked whether there is some key books about that. I said, no, there is not yet. So we have to write it. And so this third issue, the digitalization, has to be covered more, because I feel that, as you have probably also read, the inner cities are becoming tourist Disneylands, and the inner cities are becoming event spaces. And recently, it was very interesting that the new Zurich newspaper, NZZ, wrote about the end of social housing, because the renters of social apartments in Zurich are renting their apartments in summer to tourists. So, and the government cannot control it, which means that social housing in the inner city may be dead in the future because of this. Now, I stop here. I want to ask here our panel to answer the first question. What about populism and metropolitan planning? Who is starting? Do you start?
Merci Klaus, mesdames, messieurs, très heureux de participer à vos travaux. Je vous dois des excuses, j'ai un énorme problème de transport et je vais partir avant la fin, ce qui est extrêmement impoli, je déteste faire ça, je vous prie de m'excuser, je suis vraiment vraiment désolé. Alors, sur la première question, je voulais faire quelques remarques. La première, quand on regarde ces questions de populisme, d'abord vous rappelez qu'à Saint-Denis, je crois que c'est 2005, le Front National était au-dessus de 25%. Aujourd'hui, il est entre 10 et 14% les mauvais jours. Et il est possible qu'il rebaisse encore. Donc, c'est pas parce qu'on a des hausses de populisme qu'on peut pas avoir des baisses de vote d'extrême droite ou de populisme. Et deuxièmement, dans le cas de Saint-Denis et peut-être la plaine de Saint-Denis, c'est quand même pas un endroit où il s'est rien passé. Il y a eu des politiques publiques, de l'action collective, des mobilisations extrêmement fortes, des investissements pas trop mal faits. Donc, le point sur lequel je veux insister, c'est que lorsqu'on fait de l'action publique et qu'on réfléchit en termes d'action collective, ça peut avoir des effets. Il y a plein d'échecs de politique publique et de gouvernance, mais parfois ça produit des effets. Deuxième exemple que je voulais prendre, c'est le Brexit et le vote Brexit. Je vous raconte une anecdote. Un jour, j'ai fait des enquêtes sur le nord de l'Angleterre et on avait fait des entretiens avec les hauts fonctionnaires du ministère des Finances. La très jolie en Angleterre, a rien à envier à Bercy en France. Et les hauts fonctionnaires anglais me disaient « Oh, vous savez, des politiques urbaines pour le nord, à quoi ça sert ?» Ils déclinent gentiment, ils font pas de bruit. Pourquoi faire des politiques ? Alors, 20 ans plus tard, ils votent pour le Brexit. Donc là aussi, l'absence d'action publique et d'action collective et l'absence de capacité de gouvernance, ça produit des effets sur le long terme. Donc moi, c'est la première chose sur laquelle je veux insister. Il y a plein d'échecs, mais ce genre de choses, ça fait des effets. Et troisième exemple que je voudrais prendre, qui est un peu la deuxième question que tu poses, dont j'anticipe, les récents travaux d'Edmond Pretzel sur l'évolution de la ségrégation spatiale et ethnique en région parisienne montrent quoi ? Ils ne montrent pas, comme nous disent beaucoup de collègues, une augmentation massive des inégalités. C'est l'inverse. On a plutôt un déclin en moyenne de la ségrégation sociale et ethnique en Île-de-France et une stabilisation. Alors, il y a d'autres inégalités. Il y a aux extrêmes, les choses s'aggravent. Mais dans pas mal de villes européennes, on a plutôt un relatif déclin. Pas toutes, il y a des endroits où ça s'accentue. Mais la moyenne, il faut vraiment mesurer, c'est beaucoup, beaucoup plus ambigu que ce dont on parle. Et comme vous savez, les inégalités mesurées en termes de Gini, coefficient, qui est juste un bout des mesures, montre dans à peu près la moitié des pays européens une légère diminution des inégalités. Je ne dis pas ça pour dire que tout va bien. Je dis juste qu'il faut qu'on fasse attention en Europe à ne pas toujours se battre la coulpe sur nos politiques publiques ne marchent pas, on n'arrive pas à piloter. Quand on compare avec ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, et je vais y revenir, aux États-Unis, il y a quand même des choses qui produisent des effets. Donc il faut juste garder ça en tête. La deuxième remarque que je voulais faire sur populisme, c'est que sur ces questions de gouvernance et de gouvernement qui font une différence, moi, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on est parfois très naïf sur qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement. Vous voyez, les étudiants étudient, les travailleurs travaillent, les gouvernements gouvernent, et alors, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc l'agenda de recherche aujourd'hui sur ces questions-là, et si je peux me permettre, au-delà du planning et de l'urbanisme, plus généralement sur les formes d'action collective et de gouvernance, c'est vraiment de réfléchir sur les intensités de gouvernement, sur les échecs qu'ils peuvent avoir, et on réfléchit beaucoup moins aujourd'hui sur qui gouverne. Par contre, il faut réfléchir plus sur comment on gouverne et qui est gouverné. Et bien sûr, une des réponses au populisme, c'est de vraiment prendre au sérieux qui est gouverné. Ça veut dire les transformations sociales des populations, les gens qui bougent moins, les immigrés, les réfugiés, les habitants, et de travailler en profondeur. Là, c'est le sociologue qui parle pour justifier qu'il faut faire la sociologie. Je reste néanmoins absolument étonné quand je parle, y compris avec des maires ou avec des responsables nationaux dans une école, quand ils passent par mon école, c'est-à-dire par Sciences Po, à quel point il y a une incapacité de compréhension de qui est gouverné. Gouvernement, c'est un processus réciproque. Il y a ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et si on ne comprend pas beaucoup plus profondément ces transformations sociales dans ces grandes métropoles, que ce soit, comme l'a dit Jean-Marc, les mobilités autant que ceux qui restent, les gens de passage, les usagers temporaires, ça devient aussi un parti important, en tout cas aussi important que les habitants. Et ça pose des questions de comment on gouverne des gens qui bougent. En même temps, il ne faut pas rêver, tout le monde n'est pas mobile. Vous savez que dans les enquêtes de mobilité, on a des parties de la population où les gens sont de plus en plus mobiles, on a des parties de la population qui deviennent moins mobiles et qui sont de plus en plus ancrées sur leur territoire. Donc il faut penser toujours cette relation entre les deux. Et donc, qui on gouverne et qui on veut bouger, on a bien sûr de plus en plus de populations diversifiées qu'il faut prendre en compte. Et donc il faut se poser la question ensuite de comment on gouverne, d'où la réflexion en se disant, ben voilà, il y a plein de politiques publiques qui produisent très peu d'effets, qui sont devenues rentières, qui n'ont pas les effets. Donc il faut vraiment réfléchir à remettre en cause,
parfois le primat du politique sur cette gouvernance, et deuxièmement, les outils qui sont utilisés et les choix des instruments de politique publique. Nous, on montre ça dans nos travaux de politique publique, ça devient la chose la plus essentielle pour avoir un effet sur ces questions de populisme. Et je terminerai sur ces questions de populisme, sur cette première question, en insistant sur, quand on réfléchit, donc moi je pense que la dimension politique et ses capacités de gouvernance est fondamentale, il y a plein de problèmes qui se posent, mais il faut réfléchir aussi aux échecs de gouvernance. Et moi je pense que le populisme, c'est aussi des échecs de politique publique, des échecs de gouvernance, des politiques qui n'ont pas été faites, qui n'ont pas été repensées, et qui produisent des effets de long terme. Sur le cas de l'Angleterre, c'est absolument clair, et donc il faut avoir ça en tête. Et donc il faut aussi penser que ce qu'on voit sur beaucoup de territoires, c'est que des formes alternatives de régulation ou de gouvernance sont de plus en plus importantes. Ça passe par, vous avez l'internationalisation des gangs, par exemple, qui est un truc assez impressionnant. Ça passe par des églises. Aujourd'hui, les églises pentecôtistes jouent un rôle de plus en plus important dans des communes de la région parisienne. Ça passe par des régulations informelles qui sont de plus en plus importantes. Gouverner, il faut toujours penser ce qui est institutionnalisé, mais il faut toujours penser que les dimensions informelles sont aussi importantes. Et donc, moi, je suis toujours un petit peu en bagarre entre mes collègues qui disent « la ville, c'est compliqué, les planeurs n'y arrivent plus vraiment, la ville devient ingouvernable. » Oui, c'est complexe. Et alors ? Vous croyez que Paris, c'était pas compliqué au 19e siècle ? Évidemment que c'est compliqué, qu'il y a Uber, qu'il y a tout ça. Mais on voit bien qu'il y a des capacités à réinventer pour retrouver une capacité d'orienter, d'action collective et de produire des effets. Et ça, ça produit des effets à moyen terme sur le populisme. Je termine sur ta question. Moi, je pense que dans le cas américain, anglais, très très fortement, et dans un certain cas, moins, mais encore en cas en France, ce sont aussi des échecs et des retraits de l'action de l'État sur tout un ensemble de politiques ou d'incapacité de remise en cause des instruments de pilotage qui expliquent à moyen terme aussi une partie de l'évolution sociale et des remises en cause de la légitimité politique. On parle de la première question seulement, juste la première. Alors on parlera des autres après. Parce que moi, j'avais plutôt des choses à dire sur la deuxième et la troisième. Mais non. Je peux passer mon tour. Non, mais juste pour aller dans le sens de ce qu'a dit Patrick, on a vu hier ressurgir ce sujet qui est quand même aujourd'hui, qui domine un peu la scène politique en France quand on parle d'inégalité, c'est les inégalités entre les métropoles et le reste du territoire. On a l'impression que aujourd'hui, l'inégalité majeure serait l'inégalité qui se créerait entre les métropoles et le reste du territoire. Et d'ailleurs, la question du populisme, la montée du Front National, on la réfère beaucoup à ça. On l'a vu après les élections, avec des belles cartes qui montrent qu'en effet, vous connaissez les thèses de Jacques Lévy et d'autres là-dessus, il y a une espèce de gradient qui fait qu'en effet, quand on s'éloignerait des métropoles, le vote populiste serait plus fort. On est là dans une très grave illusion d'optique. Parce que le vrai sujet, c'est ce qui se passe à l'intérieur des métropoles. Je ne vais pas prendre de temps pour réexpliquer pourquoi cette opposition binaire entre ce qui se passe dans les métropoles et ce qui se passe en dehors des métropoles, dans les territoires dits décrochés, etc. Bien sûr, il y a des territoires qui vont très mal. Je ne veux pas aller dans les Ardennes, si vous allez dans le Morvan, si vous allez dans un certain nombre de bassins industriels dévastés, ça va très mal. Mais globalement, cette opposition ne tient pas. Et les inégalités majeures en France sont des inégalités intra-métropolitaines. Et d'ailleurs, quand on oublie les belles cartes et avec les ratios, les taux, ou d'ailleurs, en général, quand le Front National fait 30%, Macron faisait 26%. Vous voyez, donc ce n'est pas non plus forcément un raz-de-marée, hein, comme on l'a présenté. Il faut faire très attention aux cartes. Quand on regarde où est, en nombre absolu, c'est quand même ça qui compte, où sont les votes extrêmes, que ce soit d'ailleurs Front National ou d'autres, eh bien c'est essentiellement dans les métropoles, à l'exception du cœur de la métropole parisienne, Seine-Saint-Denis comprise, avec les grandes périphéries. Marine Le Pen a fait plus de voix dans les métropoles que dans les zones rurales reculées, globalement. Donc il faut, je pense, arrêter ce discours-là. Alors après, moi j'aurais plutôt des choses à dire sur les inégalités intramétropolitaines, mais on en parlera après. Thank you. I apologize for speaking English. It has to do with my French, I'm afraid. I like your first question because you raise explicitly the political dimension
And the political dimension is a bit under-investigated in policy sciences and planning studies, while we are experiencing a revolution, a political electoral revolution, in particular at the level of cities. The European city of the 20th century was a red city in political sense, a social democratic city. Not just for 10 or 20 years, some intervals, but for the full century, from 1920 until the 1990s. And almost everywhere in Europe, it's characteristic for Europe. Now we are witnessing the triumph of cities, and I'm afraid the triumph of cities is not a red triumph, it's not the triumph of socialism, neither of populism. If we look at the triumph of cities, they mean the core cities. And the core cities are increasingly becoming selective. It's a bit popular word, but I think neoliberal indeed, combined often with some intellectual opportunist vote of intellectual green or something. But that's the electorate of the 21st century of the core city. Then if you go to the city region, then the political picture is completely different. It's highly fragmented. There, indeed, you find populism more than in the core city. And I think if you talk about populism, we should consider two positive characteristics of populism as well. The first is that it is a political movement that is active within the system of parliamentary democracy. They are not beyond the system, that would be worse. And the second is that they know how to grasp the vote of the disappointed voter. But many of the other parties find it still difficult to cooperate with this new political force. This is really a challenge, and in particular in the urban periphery. There are still urban middle classes in the periphery. And there are concentrated zones of poverty. There are also pockets of poverty. It's a very fragmented area. And also, in political sense, very fragmented. And then the question is, some 30 years ago, American researchers were investigating American cities, and they were analyzing the urban regimes, the political regimes. And the basic idea was, can we find political alliances between, on the one hand, the political parties, and the other hand, the private sector? And can we get durable alliances for, let's say, 10, 15 years, where some priorities are defined? And they concluded in many cities there is no urban regime at all, because it was impossible. But on the other hand, there were many cities that managed to get this kind of alliance. Nowadays, we have to make this kind of regime at level of city region. With all these fragments, it's extremely difficult. And then it was difficult because the black could not cooperate with capitalism, with private sector capitalism. But nowadays, you have to find some sort of coalition between middle-class suburbs and populist neighborhoods and the selective elitist city. So what I see at the moment is a lot of elitism, a lot of selectivism. We cannot blame populism of that, and also not socialism. I give it to you. Merci, mais comme Pierre Velt, je serais peut-être plus à l'aise sur les autres sujets, mais en complément de ce qui a été dit, et notamment de la critique au réductionnisme pseudo-géographique, etc., mais ça plaît beaucoup aux médias, parce que c'est très facile ensuite à développer. Mais je voulais souligner deux choses peut-être. L'une, c'est, elle fera référence un peu là aux travaux d'Alain Bourdin sur l'individu métropolitain. Ça, c'est tout ce qui tourne un peu autour du fait que habiter en métropole, finalement, ça demande un certain nombre de compétences dans différents domaines, qui ne sont pas d'ailleurs une question forcément uniquement d'éducation ou autre, ça, j'y reviendrai tout à l'heure.
Et que finalement la capacité des individus à se situer dans ces nouveaux espaces, à les interpréter, à la fois en termes de dynamique sociale et économique, mais aussi simplement l'environnement de vie, est quelque chose d'essentiel. On ferait peut-être bien de s'adresser aussi un peu plus à ça. Et l'autre aspect qui va bien sûr en partie avec, c'est la question de comment arriver à créer un espace politique à l'échelle métropolitaine, en termes de sortir de la fragmentation qui est politique, qui est quand même le cas de la plupart des métropoles, en France particulièrement, mais pas uniquement. Alors il y a peut-être plusieurs façons de faire. Quand je parle d'espace politique, ce n'est pas uniquement une question de représentation politique, c'est aussi la question de la construction du débat démocratique, des débats sur les projets, c'est-à-dire de permettre aux habitants, aux différentes populations, de prendre conscience du fait qu'elles habitent dans un même espace et qu'elles sont solidarisées par un ensemble de questions. Ça veut dire, par exemple, pour les concertations, sortir de la concertation avec uniquement les habitants du projet, la commune. En trois secondes, tout petit exemple qui est déjà un peu ancien, mais c'était, je crois, Angers, j'en suis même plus tout à fait sûr. Question de lutte contre les inondations, une commune en première couronne urbaine qui est de plus en plus touchée par des inondations, les habitants rouspètent. Et donc l'agent d'urbanisme élabore un projet de bassin de captation en amont un peu dans une commune semi-rurale. On dit on va faire et prévoit quand même certains aménagements dans la commune urbaine. On fait une concertation des deux côtés. Les habitants de la commune urbaine demandent de plus en plus, encore plus de protection que ce qu'il aurait proposé. Les habitants de la commune rurale ne veulent surtout pas du grand bassin de déversement dans leur commune pour différentes raisons. Et chacune des deux communes accuse l'autre d'être égoïste. Donc blocage total. Et des consultants appelés à la rescousse disent « Écoutez, on va essayer de faire discuter les habitants ensemble. » Ils ont fait. Et finalement, ils ont compris quelles étaient les interdépendances. Ils se sont dit, on va regarder si on ne peut pas trouver d'autres solutions. Ils ont commencé, avec l'aide des techniciens, effectivement, à élaborer des solutions qui, au total, sont arrivées à mieux accepter l'eau et à réduire les besoins de protection dans la commune urbaine, mais en aménageant un certain nombre de choses pour vivre un peu mieux avec l'eau aussi. Et dans la commune rurale, du coup, de réduire les besoins de bassins de décantation, de les fractionner, de mieux les intégrer au paysage, etc. Donc, je ne crois pas que ça soit si loin de la question effectivement, du populisme quand on parle de l'échelle métropolitaine. C'est vrai que tu nous as mis un peu de perplexité en nous posant cette première question à la fois un peu décentrée et parfois un peu complexe aussi dans sa formule. Alors, de surcroît, j'ai bien compris que le rôle que je tiens aussi, c'est de jouer le rôle d'avoir un regard un peu décalé en parlant d'un point de vue nord-américain, tout en ayant la capacité de pouvoir décrypter ce qu'on peut retirer de ce point de vue, puisque je suis un néo-nord-américain. Et j'ai trouvé quand même deux histoires pour illustrer cette question-là, qui peuvent justement, à la fois par leur aspect contre-intuitif, répondre à cette question du risque du populisme et en même temps peut-être de la façon de le modérer. Donc le premier exemple, il est à Montréal. On a un maire qui s'appelle Denis Coderre et justement il vient de se faire critiquer ou traiter de populiste très récemment parce qu'il a décrété Montréal ville-refuge. Alors comment on peut être traité de populiste en disant que Montréal est une ville-refuge, hein ? Ça c'est quand même intéressant comme étude de cas, vous comprendrez. Donc pour comprendre ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le capital politique pour un grand-maire d'une ville nord-américaine et comment il le construit et comment finalement le populisme modéré est une donnée de base. En fait, le populisme modéré des maires nord-américains, c'est la version classique. Enfin, je veux dire, depuis le 19e siècle, même les grandes machines politiques, en fait, être un maire populiste, c'est je dirais, un lieu commun. Alors, sauf que ce populisme n'est pas le populisme que tu évoques. Il est intéressant à voir. D'abord parce que on ne fait jamais carrière politique au niveau national au Canada ou aux États-Unis. Bon, c'est des simplifications puisque vous savez, tout change d'un État à l'autre, d'une province à l'autre. Alors, c'est une simplification abusive, mais bon, allons-y quand même. On ne fait jamais carrière politique nationale en étant maire. C'est jamais, comme en France, un moyen, ou dans d'autres pays, ou même en Italie récemment, dans d'autres pays, etc., une façon de démontrer qu'on est un grand politique. Donc, le capital politique se construit sur une base uniquement locale, non politisée généralement, très rarement politisée. Et d'autre part,
La figure du maire bâtisseur n'existe pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, le projet, le grand projet urbain est quelque chose qui n'est pas une catégorie qui permet de comprendre l'urbanisme nord-américain. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est tous mes collègues d'études urbaines, planning. Notamment, pourquoi ? Parce que comment un maire se construit-il un capital politique dans une ville nord-américaine ? C'est en livrant des services. Fondamentalement, il doit livrer des services. Il doit livrer des services de sécurité, il doit livrer des services d'habitat, il doit livrer des services de bien-être, des services éventuellement écologiques, ça dépend de l'orientation, des services de développement économique, surtout depuis toujours. C'est ça qu'il doit faire. Il doit livrer des services et il est jugé sur sa capacité à livrer des services. Donc, il y a une tentation au populisme, parce que quand on va livrer des services, c'est facile dans une campagne de dire que je vais livrer les services mieux que l'autre et se donner des mots d'ordre un peu populistes. Mais c'était forcément un populisme modéré, parce qu'à bout d'un moment, il faut rendre des comptes. Une figure, par exemple, classique de maire de grande ville populiste, c'était Giuliani avec la tolérance zéro. C'est typiquement ça, c'est-à-dire livrer un service plus fort que tout le monde, c'est nettoyer New York de la criminalité. Voilà. Donc ça, c'est le projet urbain de Rudy Giuliani, et avec une touche de populisme, mais au fond, il a bien été obligé d'y mettre les moyens, et bon, on peut discuter sans fin de ce que ça a donné. Ça a donné plein d'effets pervers, mais fondamentalement, ça a changé les choses, effectivement. Donc, comment on se retrouve à avoir Denis Coderre taxé de populiste pour avoir fait de Montréal ville refuge ? Ben, c'est parce que on lui reproche de s'attribuer un mérite qu'il n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'être ville de refuge au Canada, qui est le pays le plus accueillant du monde, c'est pas comme être dans l'Amérique de Trump. Donc un peu à vol sur la marchandise. Et en plus, c'est le gouvernement fédéral et provincial qui fait tout le boulot. C'est pas la métropole. En fait, si, c'est la métropole qui fait tout le boulot, parce qu'effectivement, cet été, Montréal a accueilli et digéré 5000 réfugiés d'un coup. 5000 réfugiés haïtiens qui sont arrivés comme une météore, puisque personne ne pouvait imaginer qu'il y ait des réfugiés politiques qui viennent des États-Unis. Là, maintenant, on a des réfugiés politiques qui viennent des États-Unis. 5000 cet été haïtiens qui ont fui donc les États-Unis et qui ont passé la frontière illégalement. Ces 5000 réfugiés politiques ont été entièrement digérés par Montréal. C'est Montréal qui s'en est entièrement occupé. Mais ce n'est pas le maire de Montréal. C'est la société montréalaise, c'est l'économie montréalaise qui les a gérés. Donc ça, c'est effectivement là où on peut le traiter de populiste. Mais pourquoi, finalement, revendique-t-il cette politique-là, comme le maire de New York, comme le maire de San Francisco ? C'est pas pour les droits de l'homme. C'est quoi l'intérêt d'être ville-refuge ? C'est essentiellement de protéger le capital économique que représentent les réfugiés. C'est la main-d'œuvre. C'est faciliter et fluidifier le marché du travail. Donc, voilà, ce premier exemple-là, il montre qu'effectivement, une forme de populisme modéré peut être pas forcément inintéressante, dans la mesure où la seule chose qu'on peut vraiment lui reprocher, d'abord parce que c'est un populisme qui n'est pas lié à ce nationalisme évidemment choquant, il est sur une base locale, donc c'est une forme de populisme qui, à mon avis, peut être acceptable, et qui peut-être est un vaccin d'ailleurs contre des formes de populisme beaucoup plus ravageurs. Et d'ailleurs, un populisme ravageur à la Trump, ça existait il n'y a pas très longtemps dans l'autre grande ville, il y a trois grandes villes au Canada, donc ce n'est pas compliqué, Vancouver et Toronto. C'est à Toronto, et vous avez certainement dû entendre parler quand même de Rob Ford, qui a été une sorte de Trump urbain avant l'heure. Là aussi, c'est intéressant parce que c'est né de quoi ? Cet excès de populisme, d'une histoire absolument extraordinaire, dont même un film de Hollywood n'arriverait pas à rendre compte, dépasse la fiction comme Trump, pareil. Rob Ford, il a été élu sur un populisme qui consistait à dire les élitistes de Toronto, qui sont de toute façon tous gays, c'est ça Rob Ford, d'accord, se sont en train de se construire un projet urbain rien que pour eux en développant un tramway. Donc ils dépensent notre argent avec un tramway, alors que nous, ce dont on a besoin, c'est de place pour la voiture. Et donc il s'est fait élire avec un raz-de-marée. Pourquoi s'est-il fait élire sur ce populisme-là ? Parce que le gouvernement de l'Ontario a décidé de faire du néo-régionalisme et a fusionné la ville de Toronto avec ses banlieues. Avant, il y avait un organisme métropolitain très technocratique, le Grand Toronto, qui prenait des tas de décisions très intelligentes d'élite technocratique. Okay. Là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les banlieues du Public Choice ont voté pour prendre le pouvoir dans Toronto. Et effectivement, c'est un... Bon. Qu'est-ce qui a finalement modéré, évidemment, dans ce cas particulier, le populisme ? Alors, c'est bien sûr, d'abord, Rob Ford, on a été obligé de s'en débarrasser parce qu'il consommait tellement de cocaïne et de crack que ce n'était pas possible de continuer dans ces conditions, mais aussi parce qu'en fait, il a trahi quelque part, d'une certaine manière, le pacte politique sur lequel il était élu.
notamment du point de vue justement de la question du multiculturalisme. Pourquoi ? Parce que 70% de la population des banlieues de Toronto sont des immigrés de la première génération. Et 50% de la population de Montréal sont des immigrés de première génération. Donc on peut effectivement, dans ce cas-là, être populiste en disant qu'on est ville-refuge. Voilà. Merci. Merci. I would like to add two observations. I found it interesting that Patrick Legallès said populism is a failure of the government. I do not agree at all. I think populism is a failure of academics because they are writing in international journals instead of talking to the people. And we know all why the system exists. And secondly, it is a failure of our system of political parties who dominate politics in cities. And you all said the mayors are important, yes, but the mayors have totally different roles in Britain, in Germany, in France. And I think these are areas where future research of these are areas where future research can be done is about the populism in the banlieue, so in the suburbs, because the city centers, they are in the hand of international capital. So we don't need to ask people in the city center because they are not there. But we have to ask people in, Paris is a little exception, But I think we have to really think about how planning profession could also engage in politics. I do not know how many planners in the national government in France. In Germany, it's only one planner. A few planners have become mayors, but no planner is in the federal government. So I think we have to rethink about the role of planners if we really want to contribute to reduce populism in Europe. Okay, so let's go to the second question. What would be the best strategy for, I have to cope with the and cushion the growing social disparities. We start again with Patrick? Yeah. Alors évidemment, ça c'est la question difficile. Alors encore une fois, ce growing disparities, sur le fait qu'il y a des inégalités qui s'accroissent, il faut mesurer. Hein, ça dépend lesquelles. Il y a des groupes qui sont plus en difficulté. En moyenne, les choses sont un peu différentes. Des rapports hommes-femmes qui évoluent, des rapports entre générations et des rapports entre minorités ethniques. Ce n'est pas juste une augmentation massive d'inégalités. Ce n'est pas ça du tout. Et j'insiste sur ce point, notamment en Europe, parce que la situation est extrêmement différente en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Il faut voir la situation américaine aujourd'hui qui est vraiment catastrophique de ce point de vue. C'est effrayant, l'évolution de cette inégalité. Donc, c'est moyen chez nous. Faut pas dire que c'est la même chose partout. Ce modèle de convergence de ce qu'on voit aux États-Unis en Angleterre, ça s'applique en Europe. Non, c'est pas ça qui est en train de se passer. Et donc, ces politiques font des différences, plus ou moins. Il y a beaucoup trop d'inégalités. Il faut l'avoir en tête. Alors, il y a une sur laquelle je voudrais insister, qui me paraît assez centrale sur les questions urbaines. En tout cas, c'est les inégalités qui, moi, me paraissent fondamentales. Pour moi, l'une des choses les plus dramatiques, c'est les évolutions en termes de mobilité sociale. Et comme on sait, l'ascenseur social est en difficulté. Il travaille lentement dans le cas européen. Il est complètement bloqué dans le cas américain. Et il y a une dimension urbaine qui est très forte. Moi, je suis très frappé par le fait que dans tout un ensemble de grandes villes européennes, on va prendre Londres, qui est le cas le plus évident, mais la dynamique est un peu pareille à Paris, dans une moindre mesure. Vous savez, il y a un chiffre qui est très impressionnant, c'est que quand vous regardez qui sont les gens qui achètent pour la première fois, donc qui rentrent pour la première fois sur le marché de la propriété, à Londres ou à Paris, mais surtout à Londres, il y a un truc qui s'est passé, qui a vraiment surpris tout le monde, c'est que le nombre de gens qui achètent avec un emprunt est en train de diminuer. C'est-à-dire que sur le marché londonien du logement, il y a de plus en plus de gens qui achètent cash. Et ils sont en train de faire sortir du marché ceux qui achètent avec un emprunt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui achètent à Londres, aujourd'hui, sont des gens qui sont des héritiers. Et qui ont donc des structures familiales pour leur permettre d'acheter. En termes de reproduction sociale et de blocage de la mobilité sociale, c'est une inégalité majeure à moyen terme. Or, quel est le principal mécanisme, comme l'a montré Piketty, pour limiter la reproduction de la propriété, la patrimonialisation, c'est l'impôt sur l'héritage. Or,
qu'est-ce qu'ont fait les Britanniques et un peu les Français, ça a été un peu limité, mais quand même un peu plus, mais surtout les Britanniques, c'est qu'ils ont ouvert les vannes en grand, qui fait qu'en gros, une famille britannique, elle peut assez facilement laisser 1 million à ses enfants sans payer aucun impôt, et si elle se débrouille bien, elle peut aller jusqu'à 1,5 million. Et donc, évidemment, les enfants, ils peuvent récupérer cet argent-là et aller sur le marché du travail. Or, vous savez qu'il y a de plus en plus de gens qui héritent, mais que l'héritage est de plus en plus concentré sur, en termes de somme d'argent, sur un petit nombre, sur 15 à 20% de la population, voire 10%. C'est-à-dire que ceux qui ont aujourd'hui les revenus les plus élevés sont ceux qui héritent le plus. Donc en baissant l'impôt sur le revenu, le mécanisme augmentation des prix du logement baisse de l'impôt sur l'héritage, mais c'est une machine redoutable pour créer des inégalités massives pour les prochaines 50 années. Donc moi, c'est un peu ça qui m'intéresse, c'est de comprendre ces mécanismes macro, un peu invisibles, qui, en fait, on voit la même chose à San Francisco, on voit la même chose à New York, qui sont en train de jeter les bases pour des inégalités massives pour les années qui viennent. Donc la première chose, c'est de repenser un peu ces grands mécanismes macro qui combinent des choses au niveau du territoire et au niveau national, et notamment en termes de fiscalité et de hausse des prix. On combine des enjeux urbains avec des enjeux de fiscalité. Moi, j'aimerais bien qu'on mette pas mal l'accent là-dessus. Oui, je pense que sur la question des inégalités, tu as raison, il y a un grand problème de mesure, quoi, parce que c'est pas parce qu'on a dit que sur une carte à plat, le revenu moyen inégal, etc., que ça dit quelque chose sur la dynamique du système. Alors, c'est la dynamique temporelle du système, effectivement, qui est importante. Et en plus, ça dit pas grand-chose non plus sur les relations entre les gens. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que statiquement, comme ça, visuellement, optiquement, les inégalités, au fond, n'augmentent pas de manière aussi massive. Et c'est vrai que, contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, les inégalités en France, globalement, ont augmenté beaucoup moins qu'aux États-Unis, beaucoup moins qu'en Grande-Bretagne, et même moins qu'en Allemagne, sur les dernières périodes. Hein, on n'est pas dans une situation satisfaisante, mais on est quand même dans une situation moins dramatique qu'un certain nombre d'autres pays, y compris l'Allemagne, et pas seulement à cause de l'Allemagne de l'Est. Mais en même temps, on peut très bien avoir un taux comme ça d'inégalité, mais qui se traduit par une coupure à peu près complète des relations entre les gens. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, un relatif faible taux d'inégalité mesuré peut coexister avec ce que moi j'appelle une archipélisation de la société, où au fond, chacun vit dans sa bulle et ne communique plus avec les bulles voisines. On reparlera du numérique, je pense que c'est un des grands dangers du numérique. Alors, je crois quand même que il y a un certain nombre de tendances aujourd'hui, même si c'est vrai que la bipolarisation, tu as rappelé les travaux d'Edmond Pretzel là-dessus, n'est pas aussi flagrante que ce qu'on dit, mais je pense qu'il y a quand même, dans les métropoles aujourd'hui, en particulier, je ne vais pas dire un mot peut-être de l'Île-de-France, une vraie tendance à la bipolarisation croissante. Alors d'abord pour des raisons économiques qu'on connaît bien, essentiellement aux extrêmes. Oui, mais enfin, les extrêmes, ça compte. Hein. Et les extrêmes grossissent parfois. Hein, donc il ne faut pas... voilà. Et Edmond, il parle quand même surtout de données relativement statiques. Enfin, on ne va pas rentrer dans une discussion technique là-dessus, mais voilà, je pense quand même qu'il y a des tendances de fond dans l'économie, d'abord, qui sont cette fameuse bipolarisation des qualifications qu'on observe dans tous les pays développés, y compris en France. On parle énormément aux États-Unis, donc bizarrement, on parle assez peu en France, qui est que l'économie se structure quand même entre, disons, un noyau qui s'étend très fortement, hein, de gens très qualifiés, et un noyau de gens que je ne veux pas appeler non qualifiés, parce que le service à la personne, aujourd'hui, s'occuper de personnes âgées ou s'occuper d'enfants en bas âge, ou, c'est très, très qualifié, mais c'est peu reconnu par la société, c'est féminisé, etc. Donc, mais enfin, il y a cette bipolarisation, en tout cas, des revenus. Et qu'on sait bien, quand même, que souffrent un peu les catégories intermédiaires. Ça se traduit par le fait que, alors c'est peut-être un peu schématique, du point de vue spatial, on avait ce qu'on pourrait appeler une ségrégation associée, hein, c'est-à-dire on avait la ceinture rouge, par exemple, pour être concret, autour de Paris, mais des différences très très fortes entre ceux qui habitaient à l'intérieur et à l'extérieur du périphérique. Mais enfin, ceux qui habitaient à l'intérieur du périphérique avaient vitalement besoin pour faire tourner leurs entreprises et pas seulement pour leur domesticité. Comme c'est un peu le cas aujourd'hui, de ceux qui étaient de l'autre côté du périphérique. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est-à-dire, on passe à ce que j'appelle, moi, une ségrégation, enfin, pas que moi, d'ailleurs, une ségrégation dissociée, avec, au fond, une grande partie aujourd'hui des habitants
des métropoles qui bénéficient de l'économie métropolitaine. C'est pour ça qu'ils sont là, d'ailleurs, hein, pour grappiller parfois plus que des miettes, hein, parce qu'il y a aussi des économies mafieuses, etc., qui grappillent bien plus que des miettes, mais qui ne sont pas dans le... dans le mainstream de l'économie métropolitaine, dont on a beaucoup parlé, la fameuse économie de la connaissance, etc. Ils sont en dehors de ça, ils ne sont pas prêts d'y rentrer. Par contre, ils s'y accrochent d'une manière, mais qui est très, très, très différente de celle qu'on a connue historiquement, où il y avait un vrai couplage entre les riches et les pauvres. Voilà, les riches avaient besoin vraiment vitalement des pauvres pour aujourd'hui, ni à l'échelle des métropoles, ni à l'échelle mondiale, ça n'est plus vrai. Alors, il y a un autre sujet qui est... Ça a été évoqué par Philippe Laurent ce matin, qui, moi, m'a évidemment énormément frappé dans mon dernier job à Saclay. C'est un peu le même genre de territoire. Ce n'est pas exactement les banlieues les plus pauvres de Paris. Comme les populations aisées sont de plus en plus nombreuses, on a de plus en plus de gens qui considèrent que leur aisance donne droit à ce droit humain fondamental qui est de choisir ses voisins. Et ça, c'est le moteur puissant de ségrégation. C'est-à-dire, c'est mon droit, c'est vraiment de choisir mes voisins. Alors, ça veut dire que, en partie, Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux, hein, expliquait qu'à Sceaux, les gens ne veulent pas du métro. Quoi. C'est quand même extraordinaire. À Saclay, à Sceaux, ils vous me direz, ils sont desservis par le RER B. Hein. Ils sont bien desservis, sauf qu'ils ne marchent pas, mais enfin, ils sont desservis. À Saclay, ils ne sont pas desservis du tout. Mais ils n'en veulent pas du métro. Il y a en ce moment une fronde extraordinaire qui est d'ailleurs relayée par les nouveaux députés. J'ai eu une discussion surréaliste il y a deux jours, je pourrais vous raconter, avec M. Cédric Villani, qui est le médaille Fields, là, qui expliquait pourquoi il militait maintenant contre le métro sur le plateau de Saclay. Hallucinant. On est dans la situation où deux villages gaulois, qui, je l'ai cité, qui s'appellent Villiers-le-Bac et Châteaufort, là, bien nommé, sont en train de bloquer, tout simplement parce que eux, ce qui leur fait peur, c'est que ça va leur amener des gens qui ne sont pas vraiment ceux dont ils avaient envie de côtoyer, hein, le métro, et puis qu'en plus de ça, ils ne sont pas vraiment concernés, puisque ceux qui sont concernés sont les salariés, les étudiants, les profs, etc., les usagers qui, eux, ne votent pas localement. Donc on est dans cette situation bien connue des franges métropolitaines. Dernier point, je ne veux pas être trop long, notre système institutionnel, non seulement aujourd'hui, ne régule pas ça, mais il l'aggrave. Ouais. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle à une époque où le grand sujet dont on parlait sur l'urbanisme, c'était l'impôt foncier. L'impôt foncier, c'était une idée qui était portée par des gens comme Pisani, par exemple. On prenait beaucoup l'exemple néerlandais avec la municipalisation des sols, Amsterdam, etc. On disait que l'inégalité urbaine fondamentale, c'est le fonctionnement non régulé, totalement non régulé de ce marché majeur qui est le marché foncier, on va dire, hein, donc qui crée de la rente foncière de manière parfaitement non régulée, d'ailleurs sans impôts, etc., enfin marginalement, et qui est quand même la base de la centrifugeuse sociale, parce que c'est ça qui fait que, évidemment, les classes sociales se séparent comme dans une machine à laver. Par rapport à ça, on est au point zéro. Dans la nouvelle métropole du Grand Paris, les questions de péréquation, les questions d'inégalité sont le point aveugle. Personne n'en parle vraiment. Il y a zéro péréquation, à peu près zéro. Personne n'en parle vraiment. On contourne gentiment le sujet. Et on l'aggrave, je vais vous donner un exemple, On fait maintenant ce métro, ce fameux Grand 8 là autour de Paris. Alors il y a l'appel d'offres de la métropole qui est, je ne sais plus comment ça s'appelle, réinventer la métropole. Donc c'est un appel à idées. Donc autour de chaque gare aujourd'hui, il y en a je ne sais plus combien, quelques dizaines, on voit fleurir des grands projets. Ils sont tous les mêmes, des bureaux, des résidences plutôt de luxe, etc. Un maire populaire va essayer de tirer sa commune vers le haut, etc. C'est parfaitement légitime. Quoi. Au bout du compte, qui est-ce qui va décider? Il n'y a aucune instance de coordination et de régulation réelle qui ait la légitimité ni les moyens techniques de faire un minimum de coordination, de dire, tiens, il y a peut-être des endroits plus prioritaires, on pourrait un minimum dire là, on fléchait un peu, mais pas à la façon française où on détaille à la parcelle, mais à la façon londonienne, par exemple, disons, donner des grandes orientations, négocier, etc. Ça n'existe pas. Donc, qui est-ce qui va décider? C'est les maires. Les maires vont choisir
leurs projets, ils vont être tous les mêmes, à peu près, je caricature un peu, et au bout du compte, comme la demande, évidemment, ne passera, sinon on va vers une bulle immobilière fantastique, la demande ne sera pas capable de suivre, donc derrière les maires, c'est le marché qui va décider. Donc, pour résumer en une phrase, les métropoles françaises aujourd'hui sont gérées par le couple infernal qui s'appelle les maires, je parle bien des maires, pas des métropoles, des instances métropolitaines, les maires et le marché. Qui est-ce qui gagne, à votre avis ? Question. Voilà. Je pourrais développer l'exemple de la logistique, j'en ai beaucoup d'autres, mais je m'arrête. Thank you, Pierre. I think the agenda of cities is changing dramatically. It's not just It's not just a new round of urban expansion, such as we witnessed already the full century. Now, the template of city has changed. The city is polycentric, decentralizing, and in particular, socially polarized. And that means that the questions of the city have to be redefined at a new level, and the agenda of city is changing structurally. And it has to do with the same issues as always, with housing, the habitat, but also with circulation of infrastructure and other infrastructures, energy, for instance. I think the climate issues cannot be arranged effectively at the level of the core city. You have to define them at a larger level and in a different way. An idea of compact city, which is amazingly returning in some debates internationally, has become destructive to the new template of city. So we have a far more difficult challenge to define sustainability socially, ecologically, and even economically, in the new city regional template of city. So that's what is at stake at the moment. And of course, we need multi-layered attention from different layers of government to attack these issues. But the traditional central state cities alliance that we witnessed in the previous century may become part of the problem rather than the solution. What we need now are incentives to get this innovative agenda for regions. I find in Europe, in Germany in particular, already some decades, there are some experiments there of the international Bau, international, what is it in English? The IBA, the building exhibition, of course. That was an early experiment. Now they have the regional and the regional experiments. It's higher governments that just gives an incentive to municipalities and other local actors to come with innovative answers. I think that type of thinking will be needed in coming years. The question is how we can also in a professional way move from the existing situation to a new city regional situation. And as a planner, I think the idea of comprehensive plans is not very productive. We may have perspectives for the futures, scenarios. That's always good to visualize possible ideas for the future. But I think we need more open action spaces. What Richard Sennett called the opening of boundaries, what to find opportunistic options to work on. What I heard today that David Latouche, he called it in one of the working groups, he called it la métropole bricolage. I think that's what we need at the purposive level of public action. But public action has to be distinguished in two dimensions. The first level is the level of public norms, and the second level is the level of the purposive actions. And the purposive action should be open and creative and flexible and a bit opportunistic. Look what is possible in the situation. But they have to be conditioned by sets of public norms. And I think it is possible to define for the new city regions these kind of
public norms, and I think that's extremely important. The normative level is very different from the purposive level. The normative level is conditioning. It's not arranging the performance itself. The performance itself can be done in different ways. And what kind of norms, public norms, do we need at level of city regions? Well, they have to do, of course, with the climate conditions. They have to do with solidarity at regional level, so arrange social redistribution. It exists in every city. At level of the core city, we have still everywhere, they are selling it often and destroying it, but it is, in many places, it's still there. Some idea that you make the profits here, and you bring the profits to other places of the city. These kind of leveling mechanisms, now we need them at level of city region. I think that's very important. Then people may say it is very difficult to define the public norms, the sets of normative principles at level of city region. I think yes, it is extremely important to get alliances, and certainly at principal level. But I think we can take an example from international relations and political, international, legal relations. What you see there, for instance, in Paris is the city of the Treaty of the Climate. What you see there is that nations find it extremely difficult to cooperate with each other. But what they can do is define the public norms. What is it we need? What should change in this city region? And then different actors are not often very divergent. They can find some agreement on the public norms. But the way to get there, how money do we invest in it? How do we make it operational? That's where the differences start and the political disagreement starts. Politics is usually about purposes. It's seldom about the public norms. And I think it's possible to make the public norms of city regions, to make them explicit and to activate this crucial dimension of public action. And at the second layer, the purposive, we can have more purposive creativity and purposive action. Organize the space for different ways to get performances. Je vais en fait faire un petit détour pour revenir à la question peut-être, puisque l'objectif c'est aussi que je m'appuie sur des travaux que nous conduisons à la chaire d'économie urbaine sur le thème de la dynamique des villes, donc les trajectoires de croissance et de déclin des villes en France. J'en profite pour saluer mon collègue Franck Valérugo, professeur titulaire de la chaire d'économie urbaine que je remplace et qui a été empêché d'intervenir. Et puis deux jeunes doctorants, Thelma Nazarmed et Edouard de Kecker, qui travaillent avec nous sur ces questions, en fait, où la chaire travaille dessus depuis pratiquement une vingtaine d'années maintenant, ce qui nous permet d'avoir une durée depuis 1975 jusqu'à la période actuelle, à travers plusieurs études successives. Et donc nous sommes en train de réactualiser tous ces travaux dans le cadre d'une recherche soutenue par le Commissariat général à l'égalité des territoires et par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Donc le principe, alors c'est un peu une organisation à trois étages. Donc au premier étage, le modèle de dynamique est basé sur des variables qui rendent compte de l'attractivité des villes à travers des facteurs de croissance démographique et leur capacité à équilibrer leur marché du travail à travers des variables à la fois de taux d'emploi et de taux de chômage. Donc on met ça dans la machine et un aimable logiciel nous sort des typologies à travers des méthodes de classification hiérarchique. Et donc sur dernier moulinage, donc qui porte sur la période 90-2013, donc on arrive à trois grandes catégories de villes moins déséquilibrées quantitativement que dans les périodes précédentes un peu. Donc des villes qu'on dit attractives, qui sont caractérisées par leur attractivité démographique, mais très fortement
et de plus en plus maintenant dans la durée par leur capacité à équilibrer leur marché du travail. À l'inverse, des villes en récession, alors là en revanche elles commencent à être un peu moins nombreuses, qui sont des villes durablement affectées par les crises et où la crise économique devient maintenant une crise démographique. Donc on observe aussi des problèmes qui commencent à être observés par ailleurs maintenant de déménagement entre territoires, hein, des populations en France, dans l'espace français. La troisième catégorie, qui avant était un peu une catégorie mainstream avec certaines différenciations, qui maintenant est une catégorie avec des trajectoires qu'on a appelées contrastées, et il faut redescendre à une typologie à sept groupes pour voir un peu ces contrastes. On peut aussi bien avoir dedans des villes avec des croissances démographiques marquées, mais qui n'arrivent pas à générer suffisamment d'emplois, ou à l'inverse, des villes qui résolvent leurs problèmes d'emploi par le départ de leur population. En fait, des groupes. Alors, en l'occurrence, ce n'est pas ça l'objet du propos là, c'est plutôt le deuxième et le troisième étage. Donc le deuxième étage, c'est celui des variables explicatives, et où est-ce qui commence à être de plus en plus notable maintenant, parce que c'est constant, donc à travers les différentes coupes, multipériodes de construction typologique que nous avons utilisées, c'est qu'il y a deux variables qui très très clairement explique là dans le nouveau modèle aux deux tiers en fait globalement cette dynamique des villes. C'est le taux d'inactifs en retrait du marché du travail, c'est-à-dire pas les inactifs parce qu'ils sont étudiants ou retraités, donc on les a appelés inactifs en retrait du marché du travail, et c'est le taux d'encadrement, donc la proportion des cadres sur l'ensemble des salariés. Donc ce qui nous amène un peu de ce point. Alors je reviendrai sur la question des inactifs à travers la troisième question, en rebondissant un peu sur d'autres travaux aussi, mais donc il y a des questions proprement économiques et des questions qui sont plus traitées souvent peut-être par les urbanistes, comme par exemple la question de la proportion de l'économie présentielle ou la question du rapport entre locatif et propriété en matière de logement. Des questions de ce type-là arrivent, il y en a deux ou trois qui apparaissent quand même dans les facteurs explicatifs, mais qui arrivent très très assez loin derrière. Donc c'est quand même bien des problématiques économiques et d'organisation économique, et je dirais un peu une certaine façon d'efficacité économique du territoire. Troisième étage, c'est donc du coup de se dire, bon, il reste à peu près 20% qui n'est pas expliqué par les variables qu'on essaie de rentrer dans le modèle. Donc nous, notre hypothèse, c'est une hypothèse de gouvernance, avec des signes qui amènent à ça, même dans la carte géographique. Et par exemple, les typologies, ça c'est aussi un peu constant dans le temps, ne sont pas corrélées à l'appartenance géographique des villes. Donc on est dans une catégorie ou dans une autre, indépendamment du fait qu'on soit dans une région, enfin pas totalement bien sûr, mais globalement, dans une région développée ou au contraire dans une région plus en crise, qui montre bien qu'il y a des trajectoires spécifiques possibles des villes. Et donc la question de la gouvernance, en particulier puisqu'on s'intéresse naturellement aux entreprises, de la gouvernance économique. Et on a fait une grande enquête en 2001 auprès des entreprises avec plus de 900 réponses un peu réparties dans les différents groupes de dynamique. On est en train de la refaire en ce moment. Et qui montre donc sur ce qu'on appelle des comportements. Aujourd'hui, on parle de responsabilité territoriale des entreprises, mais je ne vais pas développer ça. Disons globalement des comportements de coopération avec les entreprises, des entreprises dans les territoires où elles sont implantées. On arrive au fait qu'on ne peut pas construire de typologie de ces comportements. Ils répondent à des facteurs trop qui ne permettent pas de ça, mais on observe qu'il y a quelques types de comportements qui sont effectivement liés à la dynamique des villes et qui sont plutôt les comportements de coopération entre entreprises ou avec les acteurs publics, mais dans des cadres globalement impulsés par des acteurs publics. Donc où là, on retrouve le lien, une articulation un peu entre le rôle de l'acteur public dans la gouvernance économique et le rôle des acteurs, le rôle propre des acteurs privés. Je voudrais aussi, pour arriver un peu à une ou deux conclusions, croiser avec des travaux de Benoît Philippi, là plus spécifiquement sur les mécanismes de ségrégation socio-spatiale urbaine, et qui semble indiquer dans le cadre là aussi des villes françaises que la ségrégation socio-spatiale est d'autant plus fine et d'autant plus marquée dans une ville que d'une part le revenu moyen global dans l'aire urbaine à l'échelle du marché de l'habitat est important, et que d'autre part, les inégalités internes sont importantes, ce qui nous renvoie aussi
à la question d'exclusion ou d'inclusion de certaines populations, plus ou moins grandes, de certaines populations dans l'espace économique et dans la capacité de choix. Alors, à l'heure où globalement les politiques urbaines, plutôt quand on parle de urban planning ou autre, on parle plutôt de problématiques de compétitivité, des grands aménagements, y compris pour le Grand Paris ou autre, qui visent à placer mieux les villes en termes de compétitivité en transformant leur centralité, en en créant de nouvelles, donc qui sont des logiques qui tendent en fait à polariser la production de valeur, à polariser aussi la captation de cette valeur et à globalement à réduire le nombre d'acteurs impliqués dans la production de valeur et avec très peu de redistribution. Et on essaye d'un autre côté en parallèle d'essayer de réintroduire de la mixité à travers des logiques très statistiques et d'offres de logements différents les uns à côté des autres. On voit bien que ce n'est pas ça qui crée de la vie sociale et ce n'est pas ça non plus qui crée de l'inclusion parce que justement les rapports de solidarité ne peuvent pas être construits. Donc l'invitation de ce point de vue-là et réponse à la question, ça serait peut-être un peu moins de planning face à ces questions et un peu plus de développement économique avec les acteurs économiques. Bon, je crois que je vais peut-être continuer à poursuivre avec ma veine un peu décalée et contre-intuitive. Et je vais vous donner trois illustrations qui permettent d'apporter des éléments de réponse. Première illustration, une des stratégies classiques partout pour essayer de résoudre ce problème, à la fois classique et quelque part voué à l'échec, et sur lequel notamment il y a des gens très bien placés au premier rang qui ont beaucoup écrit là-dessus, c'est d'essayer d'imposer du logement social dans les opérations immobilières pour créer la mixité par le logement. Bien. Et cette politique, généralement, se heurte à du nimbysme. On est passé, selon les pays, par différentes voies pour essayer de le résoudre. En France, on est passé par la voie de la loi, de la réglementation et d'imposer ces quotas par la loi, etc. Au Québec, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de loi là-dessus. Pourtant, il s'en fait. Il y a effectivement des opérations assez complexes à Montréal de tout type, et d'autant plus méritoire que le financement du logement social sous le gouvernement Harper et des conservateurs est tombé à zéro, donc il fallait que les villes fassent sans peu d'argent. Et bon, se pose quand même, comme partout, la question du nimbysme, bien évidemment. Et il se traduit aussi, un effet un peu paradoxal, par l'emploi ou le détournement d'un outil de démocratie participative qui est le référendum local. Ce référendum local, un référendum très riverain dans le cas du droit de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec, il est en fait un héritage finalement du droit de voisinage, du droit anglo-saxon. C'est un des principaux moyens qui est utilisé classiquement au Québec pour bloquer des projets immobiliers, quels qu'ils soient, dans le voisinage. Et d'ailleurs, on est en train de discuter d'une loi pour suspendre le référendum local. Donc il y a toute une discussion autour de ça qui est évidemment là aussi assez contre-intuitive avec les pour, les contre, ceux qui sont pour la démocratie participative mais contre le NIMBY. Enfin, vous voyez, bon, un débat assez intéressant à observer. Et je parle de cette question-là avec les urbanistes qui sont en charge de la construction des logements sociaux dans les opérations immobilières et qui me répondent non, nous, on aimerait garder le référendum local parce que c'est ça qui nous permet de négocier le quota de logements sociaux avec les promoteurs. OK ? Là aussi, c'est un peu contre-intuitif, vous êtes d'accord ? Comment ça marche ? En fait, pour comprendre, c'est assez simple. C'est qu'à Montréal, c'est une ville de locataires. 70% des habitants sont locataires, d'ailleurs riches ou pauvres. Donc, ce que veulent les locataires dans un projet immobilier, c'est qu'il y ait justement du logement social, parce que ça permet de maintenir leur loyer à eux relativement bas. Et donc, effectivement, c'est un argument de la ville de Montréal. Quand ils négocient avec les promoteurs, ils leur disent, si vous ne voulez pas avoir de référendum local, mettez du logement social. Et ça marche à tous les coups. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire, à part le côté un peu rigolo de la démonstration ? C'est, attention, je veux dire, ce qui est vraiment important dans ces questions-là, d'abord, avant tout, c'est dans quelle trajectoire on se situe ? Dans quel contexte on se situe ? Ces questions, le principal problème, on parlait de trop de planification, c'est un peu ce que je dirais d'une autre manière, c'est qu'elles sont terriblement surcodées. Donc, au lieu de regarder c'est quoi le contexte, effectivement, la trajectoire dans laquelle on se situe, et ensuite de choisir les instruments avec finalement un regard discrétionnaire. On a confondu les stratégies avec les instruments depuis de nombreuses années et on ne fait que traiter les effets pervers des instruments. Et donc tout ceci crée effectivement une boucle vicieuse, mais de politique publique au fond. Bon. Donc
je crois qu'il faut effectivement revenir à quelque chose qui est un travail modeste, qui est d'ailleurs finalement celui des urbanistes, normalement, donc que je représente en tout cas en tant que formateur, qui est effectivement ce travail de contextualisation de l'utilisation des instruments. Deuxième exemple, bon, je reviens à mon maire populiste, Denis Coderre, il a deux stratégies métropolitaines. Enfin, il n'emploie pas ce terme, ça ferait peur aux électeurs. Il y a deux mots qui résument son projet. Il y en a un dont je vais parler pour la troisième question, c'est la ville intelligente, et l'autre, c'est le vivre ensemble. Très basique, très simple, très efficace, puisque finalement, la ville intelligente, c'est la politique de compétitivité, le vivre ensemble, c'est la politique de solidarité. Il faut les deux pour être maire. Voilà, c'est un dispositif extrêmement simple, pragmatique. Qu'est-ce qu'il y a dans le vivre ensemble ? Bon, il y a beaucoup de choses, y compris ces questions de logement social, les opérations immobilières, mais c'est pas central. C'est à la fois banal, mais intéressant. Qu'est-ce qui marche dans les grandes villes de ce type-là pour créer, on va dire, une dimension de socialisation ou de réduction de la fragmentation socio-spatiale ? Les grands parcs. Les grands parcs, c'est l'endroit où si vous allez dans un grand parc l'été à Montréal, vous verrez toutes les populations du monde réunies autour du barbecue. Bon, les gens sont les uns à côté des autres, nous sommes dans la coprésence, dans l'indifférence réciproque. Donc, qu'est-ce que fait la ville de Montréal ? Elle utilise les grands parcs pour communiquer en permanence des dispositifs politiques publiques, des dispositifs qui ont à voir avec le vivre ensemble, des informations sur l'aide sociale, sur plein de choses. Okay. Elle se sert de ça parce que c'est là où les gens vont et se retrouvent. Et quelque part, effectivement, ça marche. Les bibliothèques. Là, la ville de Montréal vient de changer toutes ses bibliothèques et les bibliothèques, bon, sont quoi ? Sont des tiers-lieux du vivre ensemble. Et aussi la ville intelligente, j'y reviendrai. Alors, c'est très, très conscient. Les bibliothèques se donnent pour principal objectif, en fait, de mettre à disposition des lieux, des ressources et des moyens pour que les groupes communautaires puissent monter des projets, notamment des projets en matière d'écologie ou autre, peu importe, sociaux, etc. Et en fait, la bibliothèque est un instrument qui est considéré comme, mais très naturellement, j'allais dire, comme un instrument au service du vivre ensemble. C'est officiel, c'est fait comme ça. C'est banal. C'est quelque part, c'est se servir des bons vieux équipements de la ville du 19e siècle pour ça. Ça a tendance à plutôt bien marcher dans un contexte où certainement les tensions sociales sont pas si fortes, etc. Troisième exemple, la question de la banlieue. La banlieue métropolitaine. La banlieue de Montréal, comme toutes les banlieues nord-américaines, vous savez, c'est une banlieue de classe moyenne supérieure. Les pauvres sont dans la ville et les riches ou les moyens riches, la classe moyenne supérieure, est à l'extérieur, en banlieue. La banlieue change, comme dans toutes les villes nord-américaines, vous savez, je pense, vous en avez entendu parler, c'est-à-dire qu'elle se léopardise, il y a une paupérisation de certains secteurs, il y a des gens de plus en plus pauvres qui vont surtout d'ailleurs dans le périurbain lointain. Pour cela, il n'y a pas de réponse politique du tout, parce qu'eux-mêmes n'en demandent pas, parce que ce sont essentiellement des gens de la classe moyenne déclassée et qui finalement ne veulent pas de politique sociale. Donc ils vivent de leur pauvreté et leur éloignement sans rien demander. Et puis l'autre phénomène majeur, principal, c'est le vieillissement. Vous avez un vieillissement extraordinairement rapide, notamment des premières banlieues, et d'ailleurs avec l'idée que ce marché de maisons allait s'effondrer, qu'il va y avoir une énorme crise. Bon, la crise n'arrive pas parce que les gens continuent à rester même âgés, même dépendants physiquement de leur maison, mais surtout ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à habiter dans les nouveaux quartiers denses que l'on crée en banlieue, notamment autour des gares, ce qu'on appelle les TOD. C'est quoi ? Donc il y a une demande pour ce type de logement-là, de retour vers le collectif. Qu'est-ce que fait la communauté métropolitaine de Montréal qui a extrêmement peu de moyens, quasiment pas de moyens ? Elle a une stratégie simple, elle fait en sorte qu'il y ait du logement social dans les TOD. Pourquoi ? Parce que d'une part, les gens vont vers ce mouvement du collectif, acceptent cette mixité dans ce contexte-là, et d'autre part, comme de toute façon on est dans un processus de négociation sur la densité avec le promoteur, on peut échanger la densité contre le logement social. Donc, je crois que tout ceci revient à une simple question, ce que j'ai évoqué au départ, c'est-à-dire remettons la question dans son contexte, ne prenons pas les instruments pour les stratégies, reposons une bonne question, et surtout, c'est vrai que ce que disait Patrick, c'est-à-dire l'importance de l'information, la transparence par rapport à l'information, c'est-à-dire à Montréal, cliquez sur Internet, vous avez absolument tous les chiffres sur la composition sociale et ethnique de tous les quartiers. C'est-à-dire, c'est des choses aussi simples que ça, parfois, qui aident. Merci. Now we are coming to the last question. Last question. 4h20. 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 4h20.
Ah non, moi, je n'ai pas besoin de 10 minutes, je parlais. J'ai parlé longtemps tout à l'heure, donc je vais être très bref. La question du digital ou du numérique, je crois que là, pour moi, il y a une question préalable, c'est de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de... Parce que, bon, il y a évidemment la smart city, c'est-à-dire tous ces nouveaux services qu'on peut voir émerger à travers le portable, parce qu'il y a des nouvelles données qui sont produites, soit centralement, soit de manière collaborative, etc. Bon, c'est très intéressant. Je constate que ça optimise en fait des trucs qui existent, ça change rien au fond, quoi. Je veux dire, ça optimise des systèmes de transport, ça change pas vraiment le système de transport. Ça peut modifier les pratiques, mais bon, reste quand même à un niveau relativement superficiel. Je pense que ça, c'est quand même la partie émergée de l'iceberg. Parce que là où le numérique change les choses, c'est d'abord dans les comportements, dans le fait que le numérique devient un élément de notre sociabilité, de notre vie quotidienne, de nos modes de vie, au-delà de la smart city. Hein. Moi, j'ai pas besoin de smart device pour être transformé dans ma vie quotidienne par le mail, par tout un tas de choses. Bon. Et puis, ça change aussi le fonctionnement des grands systèmes de production, des grands réseaux, du commerce, la montée d'Amazon, etc. Voilà, ça, c'est des choses lourdes, quoi. Ça, c'est le vrai iceberg. Et là, je dirais que les conséquences, je crois, sur la ville sont extrêmement ambivalentes. Juste un mot sur la façon dont ça change la sociabilité. Il y a aujourd'hui beaucoup de travaux. J'ai parlé tout à l'heure d'archipélisation, une tendance forte des sociétés relativement prospères, c'est-à-dire qui ont le choix de leur voisinage. L'Internet, d'une certaine façon, accentue ça. Hein. C'est-à-dire, on sait très bien que il y a beaucoup d'études sur les réseaux à l'intérieur de l'Internet, ce sont des réseaux extrêmement archipélisés, c'est-à-dire c'est des petits mondes qui peuvent être très très grands, mais qui sont petits en ce sens que ce sont quand même des assemblages de gens qui se ressemblent, de toutes sortes de communautés, mais qui ont tendance à vivre de manière très coupée, très distincte les unes des autres. Donc je pense de ce point de vue-là, on ne peut pas avoir une évaluation... soit entièrement positif, soit entièrement négatif. C'est une nouvelle forme d'infrastructure, une nouvelle forme de langage, etc., au sein de la société, qui a des aspects extrêmement ambivalents. Tout va dépendre de ce qu'on va faire de cet outil, mais aujourd'hui, c'est plutôt un outil, en tout cas en ce qui concerne les relations sociales, d'archipélisation croissante. Et je pense que la ville, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Franck, la ville reste un antidote absolument essentiel. Quoi. C'est le parc urbain, l'espace public de manière générale, entendu au sens large, c'est ça la ville. Si on perd ça, là on va être très très mal. C'est ça qui est, je crois, absolument essentiel. Alors après, parmi les aspects positifs, il y a... Sennett disait hier, on met beaucoup trop l'accent quand on parle de mixité sociale sur la question résidentielle. On veut absolument que les gens habitent les uns à côté des autres. Quoi. Mais la vraie mixité, elle se produisait, en tout cas, plutôt dans le travail ou dans le loisir parfois, c'est-à-dire quand on fait des choses ensemble. Hein, c'est ça qui permet de recréer du lien. Alors aujourd'hui, on a une économie où on fait moins de choses ensemble. Quand on fait des choses ensemble, c'est avec un peu ses clones. Hein, c'est des gens moins différents. Je pense que l'Internet, j'ai parlé hier des nouvelles formes qui émergent notamment dans les centres grâce à l'Internet. Là, il y a peut-être capacité de recréer des circuits de production atypiques, relativement courts, où les gens de différents milieux sociaux, de différentes classes, de différentes cultures, etc., vont pouvoir refaire des choses ensemble. Mais bon, tout ça reste extrêmement indécis, et je pense qu'en aucun cas, ça ne peut remplacer la ville réelle, le barbecue côte à côte, ou le Mont-Royal à Montréal, ou le parc de la Villette à Paris.
the digital is so large, as Saskia Sassen said, it is indeterminate. It's in all nerves of society. So it depends on what you do with it and what it does with you. And I think the digital is one of the reasons why new hierarchies of economic networks have created new triumphing cities with a lot of contacts between different clusters that need proximity. There may be a new potential in organizing real-time efficiencies in infrastructures, in facilities, and other things. The digital, I think, even created a new urban class, the class of knowledge workers. And I think, just take this example, it's very nice to have knowledge workers. You can be very enthusiastic about that for many reasons. But it is also a very mobile and extremely consumptive group in the city. And I wonder whether we should facilitate this consumptive behavior in the way it is done in cities. Why not charging international flights? I mean, someone, a knowledge worker nowadays flies 30 to 35 times a year. That's not crazy what I say, that's quite regular. And not always for economic reasons, it's most of the times for social reasons, keeping up your networks. Why not charging this, these kinds of flights? That would give a strong difference in city life. Why accommodating them with all sort of entertainment, and why letting them monopolize the public spaces in a city? And I can go on. But just raising this idea, there are also some negative sides on this new class of knowledge workers. Je suis aussi de Crunchisk. je rebondirais sur la variable des inactifs, enfin des gens qui sont découragés d'entrer sur le marché du travail ou d'y revenir. Donc ça nous a amené à nous demander est-ce qu'on ne pourrait pas sortir un peu des politiques habituelles, par les politiques de compétitivité, disons on va tirer la ville par le haut avec les entreprises high-tech, les CSP+, etc., tout ça qu'on va attirer du monde entier, on fait un beau TGV et puis ensuite on espère qu'on va pouvoir ramener les gens à l'emploi, ramener les gens dans le TGV. Sauf que les gens ils sont arrêtés entre les gares et quand le TGV passe c'est un peu difficile de remonter dedans. Donc il faut aussi imaginer aussi l'économie comme un réseau de tout type. Et justement, si on regroupe digitalisation, économie collaborative, mode de vie et mobilité, je vais prendre un petit exemple très rapide. Le Vélib, d'un côté, donc typiquement la verticalisation technologique, décisionnelle, la monofonctionnalité, c'est un vélo qui n'est destiné qu'à un type d'usage pour des gens... globalement, soit tourisme, soit trentenaire actif, etc. Il n'y a pas de poussette de remorque pour les enfants, il n'y a pas, etc. Et qui, globalement, économiquement, de nouveau, comme je disais tout à l'heure, polarise les choses. Et en fin de compte, il est utilisé essentiellement par des gens qui sont justement ceux qui auraient les moyens d'avoir un vélo à eux, de le faire entretenir et de créer des emplois de cette manière-là. Donc avec à la demande de la mairie du 18e, on avait au moment où la ville de Paris réfléchissait à mettre en place le Vélib, ils nous avaient proposé une réflexion alternative qu'on a conduite avec des étudiants en formation continue qui étaient des cadres dirigeants de collectivités territoriales et d'entreprises de services publics, de délégations de services publics. Et ils sont arrivés à un modèle justement très éclaté, très décentralisé, très multiple, avec un modèle économique qui fonctionne derrière. Et où donc globalement le rôle dans ce dispositif de la puissance publique, c'était pas de mettre en place un service verticalisé, c'était de créer la possibilité d'avoir un ensemble de plateformes dans des lieux choisis et diversifiés, où pouvaient être apportés des services avec des modèles économiques différents, et qui pouvaient permettre, bah, par exemple dans des quartiers populaires, justement à des jeunes peu qualifiés mais bricoleurs, de trouver à s'insérer dans le dispositif. Alors je ne vais pas le raconter. J'ai pas le temps, mais pour montrer comment il y a à la fois la nécessité d'une sorte de retournement un peu de la manière dont on perçoit les problématiques d'inclusion et de développement économique et leurs effets sur les organisations métropolitaines, mais aussi que du coup tous ces outils-là, enfin toutes ces nouvelles tendances-là,
peuvent être, qui aujourd'hui sont plutôt, vont plutôt dans l'autre sens, peuvent être aussi des opportunités formidables justement pour travailler autrement. Alors le problème avec cette question de la gouvernance métropolitaine des transitions, c'est quelle que soit la transition, c'est à la fois une superbe opportunité, très intéressant au début et très compliqué à la fin. Alors je pourrais parler de la transition écologique parce que je travaille plutôt sur l'économie circulaire, mais je vais parler aussi de la numérisation pour l'illustrer très, très brièvement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une stratégie gagnante pour les métropoles, la ville intelligente. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville intelligente? Il y a deux choses que Pierre a rappelées, mais je vais peut-être aller un peu plus loin, sur, notamment dans le contexte nord-américain. La première chose, c'est l'optimisation des infrastructures existantes. Puis ça, c'est dans le contexte de villes qui ont un stock d'infrastructures vieillissantes qui ne peuvent pas se payer le renouvellement, parce qu'on n'est pas dans un contexte où on peut s'offrir un métro à 130 stations avec des milliards qu'on ne sait pas d'où ça sort, où il n'y a pas de versement transport. On arrive tous les 40 ans à peine à avoir un bout de ligne de métro. Pouvoir prolonger finalement les infrastructures, notamment routières, avec des applications, des systèmes qui permettent de retrouver de la fluidité ou le mythe de cette fluidité, ou en tout cas... tout ce qui est derrière le Mobility as a Service, hein, qui est vraiment le mot d'ordre de toutes les villes nord-américaines, et du mouvement qui, effectivement, c'est cette question de la fluidité, de la circulation, est à l'origine de la naissance de l'urbanisme et du planning aux États-Unis, en Amérique du Nord. Ce n'est pas la question du logement, c'est toujours été la question de la circulation et des flux qui était essentielle. Donc cette idée, c'est vrai que les universités ont tendance à critiquer la ville intelligente en disant c'est rien de plus que l'optimisation. Mais en fait, cette optimisation, c'est formidable. C'est formidable pour les villes parce qu'effectivement, ça donne l'impression d'avoir des politiques de mobilité moderne, ou ça donne l'impression qu'on peut les développer, de répondre en fait aux exigences de la société hyper industrielle avec l'héritage, en préservant l'héritage de la ville industrielle, qu'on ne peut pas se payer le luxe de renouveler. Donc ça, c'est une opportunité très intéressante auquel on n'insiste pas assez. Du point de vue des politiques, notamment dans ce contexte-là, qui est des ressources fiscales limitées, mais qui va peut-être devenir le contexte français, si j'ai bien compris, quand même globalement, pour les municipalités. Donc, il y a des leçons à tirer aussi de la pauvreté, comment on s'en sort dans des villes pauvres, fiscalement, on s'entend. Et puis, l'autre chose qu'apporte la ville intelligente, c'est les données ouvertes. Et là, c'est pareil, les données ouvertes, plus la ville est métropolitaine, plus il y a des gens qui vont servir de données ouvertes, et plus il va y avoir de l'innovation qui va en être, etc. Et en fait, moi, je pense que l'utilisation des données ouvertes, c'est un des indicateurs des métropoles. Plus vous en servez, plus c'est métropolitain. Ça et les microbrasseries, c'est les deux choses que qu'Alain Bourdin a oubliées hier. Mais les deux sont essentielles, à mon avis. Oui, mais justement, ça donne un avantage compétitif. Voilà. Mais ça s'en vient. Par contre, le problème de la transition numérique, c'est ce qu'il y a au bout. Et ce qu'il y a au bout, ce dont personne ne parle parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, c'est l'intelligence artificielle. Et là, c'est tout autre chose, parce que ce n'est plus gouverner la ville numérique, c'est transformer la gouvernance, fondamentalement. Parce que, qu'est-ce qu'illustre ces deux jours, d'une certaine manière ? Ces deux jours, ça illustre comment, dans les métropoles françaises, on essaye de mettre en place... Une intelligence collective essayant de dépasser les limites, les bornes, les égoïsmes locaux, etc. Qu'est-ce que l'intelligence collective, qui est finalement là aussi le savoir-faire des urbanistes, de faire générer ça, et pas que d'eux, mais en particulier, c'est accepter qu'on est dans un contexte de rationalité limitée, qu'en plus les rationalités ne sont pas les mêmes pour chacun des acteurs, et qu'il faut arriver à les accorder dans un travail le plus participatif possible de co. Donc c'est accepter l'imperfection de l'intelligence. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'elle ne va pas être bien plus performante que l'intelligence collective ? C'est-à-dire dans quelle mesure l'intelligence artificielle ne va pas effectivement offrir les outils d'une gouvernance réellement rationnelle ? Et on peut le prendre dans différentes manières, notamment dans une vision qui peut être aussi de l'élargissement des rationalités. Et là, on change complètement de registre. Par exemple, on peut très bien imaginer que l'intelligence artificielle parle au nom des animaux, ou au nom de la Terre, ou au nom de l'environnement, au nom de l'air. Et c'est tout à fait imaginable, ça ne pose aucun problème. Je le sais, je suis dans une université qui est leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et on me demande c'est quoi le rapport entre urbanisme et l'intelligence artificielle. Donc je vous livre ça parce que c'est une commande que me passe mon université. Là, on se retrouve effectivement, et on pourrait faire un peu la même démonstration avec la transition écologique, dans laquelle au début, ça paraît comme quelque chose qui est très favorable, où les métropoles sont des milieux très favorables, et à la fin, on se demande vraiment comment on va faire. Aussi bien avec, je vis avec 2 tonnes de carbone par an, par habitant, c'est plus du tout les mêmes modes de vie, c'est radicalement différent.
Et donc c'est une façon de gouverner radicalement différente, et gouverner avec l'intelligence artificielle, ça risque d'être radicalement différent. Voilà. Well, thank you very much for your patience and thank you much for your contributions. I don't want to make a big summary of what you have said. I would need another hour to do that. But I have made notes for 6 pieces of homework for PopSoup. So the first one is to have an better influence on land taxation and to explore how this could be done. The second is to review the regulation of urban development, because regulation, legal regulation, is fixed on the experience of the past, but regulation is not preparing for the future. So that could be another area. The third one is to define regional norms for the metropolitan regions. That was said here. Public norms, which would help a little bit against populism. Planners have to learn, that's what we also learned, that they have to learn more about the economy. I feel that more and more planning education is forgetting about the economy, and we have to do more on that. The fifth one is the metropolitan suburbs may become a big issue, and they should be better researched than in the past. And the last one, that is still an area where we have to learn daily, to learn from our kids how they use the iPhone, to learn from our parents how they use the iPhone to get a doctor, and of the car owners who use the iPhone to get a car or the bicycle. So this whole digitalization is still a very open field, and I think we have to think more about. Otherwise, what will happen is that Amazon and Google and Alibaba, they will tell us what we do in the future metropolis, but I think our governments should know better. Thank you very much.